Yo les gens, ici Rafi, c'est 250. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Donc ce sera une petite vidéo de glitch, vous allez bien comprendre à quoi ça se verra ce glitch là. Donc en fait, ce sera pour faire de la forge à compte en illimité. Donc vous allez voir que si, par exemple, si vous avez des problèmes pour rencontrer du monde en forge à compte, donc cette méthode est très simple pour vous. Vous allez voir. Je vous montre un glitch où, pas à coup sûr, mais presque, on va dire à 80% des cas, vous tomberez directement du monde à forge à la compte. En fait, c'est un glitch, on va dire que ce soit un glitch ou un bug. Moi, j'appelle ça un glitch parce que, bah, normalement, ça marche pas, théoriquement, ça devrait pas marcher. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, on se dirige à la forge à la compte. Après, il y a une petite méthode à faire et vous allez voir que c'est très simple. Et après, vous allez voir que vous allez tomber directement, on va dire, sur un serveur dans la forge de l'Arconte où il y a du monde. Donc moi, je l'ai fait deux, trois fois à peu près, et ça a marché. Et voilà quoi, vous allez bien voir ce que c'est, c'est très simple. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fini mes deux derniers contrats de Shiro à faire. Donc il me restait deux contrats à faire. Donc je les ai réussi à grâce à ça. Sinon, d'habitude, quand je fais de la forge à la compte, bah, j'y vais en solo. Moi, je fais des vertes en solo, comme ça c'est plus simple. Donc là, on arrive à la forge à la compte, vous allez voir. Donc là, c'est comme vous sentez, soit vous tuez les ennemis, soit vous les tuez pas, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, faites pas comme eux, ils font là, ces mecs là. Ce que vous faites quand vous arrivez ici, dans la porte, vous accroupissez, voilà. Et ensuite, bah, vous y allez tout doucement, vous marchez tout doucement. Jusqu'à temps que vous arrivez à la porte et vous allez voir que vous allez directement tomber sur du monde, directement la forge de la compte. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo là, je vais le faire deux fois pour vous montrer que ça marche. Comme ça vous allez bien voir que ça marche. Donc là vous pouvez déjà voir sur la carte qu'il y a quelqu'un qui a la hache. Donc je pense c'est que la forge est activée. Vous allez voir qu'on va arriver à peu près au milieu des escaliers. Et voilà. Donc là, la forge vient de se terminer. Mais on est bien tombé sur un serveur, il y a du monde. Ensuite, il faudra juste, si vous arrivez dans un serveur où il y a du monde, comme vous savez, je pense qu'il vous faudra juste cet objet pour ouvrir la porte. Donc pour ouvrir que la barrière soit activée, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais quitter et revenir en orbite. Donc je vais faire, pas en orbite, mais juste couper la vidéo et directement qu'on retourne directement à cet endroit-là. Et après, on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve comme tout à l'heure. Donc je vais faire la même méthode, vous allez voir. Je m'accroupis et j'avance tout doucement. Je pense que je vais vous faire trois fois ça pour vous montrer que ça marche. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà du monde là-bas. Vous voyez bien qu'il y a déjà une personne. Donc du moment où vous voyez le truc orange activé au-dessus, après vous pouvez accélérer. Voilà. Donc là, comme par hasard, on est arrivé au moment que c'est fini. Donc voilà, ils ont activé une autre. Donc là, ils sont que deux, donc pour faire une parfaite, c'est un peu chaud. Donc après, si vous voulez ouvrir, vous avez juste à ouvrir la porte là, avec une clé. Donc moi, ce que je vais faire, bon, on se retrouve dans quelques instants, juste pour faire la troisième partie, la troisième fois. Après, pour vous montrer vraiment que ça marche. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, troisième et dernière fois qu'on se retrouve à la forge de la compte pour cette vidéo. Donc je vais vous refaire la méthode. Donc vous accroupissez et vous avancez tout doucement. Donc tout doucement, vous pouvez marcher comme ça. Vous n'êtes pas obligé de courir, mais vous pouvez marcher, on va dire, au ralenti.
Donc après, venez pas me demander pourquoi ça marche. J'ai pas, franchement, j'ai pas la raison. Vous expliquer pourquoi ça marche. Le seul truc que je peux vous dire, que ça marche. Donc là, je peux juste vous dire ça. Donc après, vous n'êtes pas dans les commentaires. Pourquoi ça marche, j'aurai aucune explication à vous dire. Voilà, c'est juste ça ce que je vais vous dire. Donc après, ça marche pas à tous les coups. Donc peut-être que ça va peut-être pas marcher cette fois-ci. Donc voilà, vous voyez que forge l'archonte. Quelqu'un a activé la forge l'archonte, voilà. Donc vous pouvez voir que ça marche pour la troisième fois. Vous pensez qu'il est fâché ? Je crois bien qu'il est fâché. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de glitch ou de tuto ou astuce sur Destiny. Donc moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.